Vous regardez RTL. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jeanne. Bonjour Monsieur Calvi et bonjour Alain Juppé ce matin. Salut Gwen, repos. Ah oui, c'est bien vous. Alors tiens, ça faisait longtemps, on vous retrouve, c'est sympa. Justement, profitez-en bien parce que ça ne va pas durer autant que Plus belle la vie sur France 3. Hein. Ah oui, on a vu ça, vous avez annoncé que vous ne paierez plus votre cotisation à votre parti, Les Républicains. Affirmative, je n'ai pas continué à raquer comme un blaireau pour que Wauquiez s'achète des anoraks sans manches et se fasse teindre les cheveux blancs pour en faire plus matheux. Non, bon, pas déconner. Oui, bon, en réalité, vous vous apprêtez à quitter Les Républicains, c'est bien ça. Là, je sens que vous ne me captez pas 5 sur 5. Ah. Vous oubliez un peu vite que je suis le meilleur d'entre nous. Oui. Donc, si je quitte Les Républicains, ils sont foutus. Donc, j'ai dit que je prenais du recul pour mieux revenir. Vu la tactique ? Non, pas vraiment. Réfléchissez. Vous qui avancez et moi, je recule. Donc, pour les européennes 2019, comment voter ? Oui, merci Alain Juppé. Merci. Bah quoi, laissez-moi finir. Il avance, oui. Je recule. Et en 2019, ouais. Comment voulez-vous que je capitule ? Ah, d'accord. Bip, bip ! Ouais, ouais ! Bip, bip ! Ouais ! Mais tiens, François Hollande, mais vous allez en forme, là. Qu'est-ce qui se passe ? Salut, poupée. Je te retourne le compliment. T'es toute pimpante aujourd'hui. Tu fais quelque chose après l'émission ? Oui. Je connais un Radcomac dans le quartier. Ça me ferait plaisir de t'offrir un godet. Je sais pas si je peux, là, monsieur le président. Mais si tu peux. Et le premier qui m'ouvre, tu fais une ordonnance. Oula, entre le François Hollande humoriste et le François Hollande tonton flingueur, on s'y perd un peu, là. Bah quoi ? J'ai plusieurs facettes, c'est tout. Président un jour, humoriste le lendemain. Désingueur le lundi, French lover le mardi. Mais aujourd'hui, c'est l'ancien président du Parti Socialiste qui te cause. Ah, vous voulez nous parler des candidats à l'élection du prochain président du PS ? Affirmatif. Mmh. Avec un duel annoncé entre Stéphane Le Foll et Julien Drey, profitez-en. Les soldes d'hiver ont commencé. Moins 50% sur les éléphants du PS. Bip bip ! Ouais ! Bip bip ! Ouais ! Bon, il n'y a pas que, il y a aussi Emmanuel Morel, Olivier Faure et Luc Carvounas. Me fais pas rire, ça tire sur ma blessure. Ah, vous êtes blessé ? Affirmatif, j'ai pris une bastos il y a 3 jours. Ah bon ? Mais racontez-nous ça ! Non, je plaisante. En réalité, je suis tombé du tabouret en essayant de changer une ampoule sur le lustre du salon. J'ai jamais été bricoleur. Ah, ça vous ressemble déjà plus. Et donc Emmanuel Morel, Olivier Faure et Luc Carvounas, ils ne vous inspirent pas ? Mais enfin, ils sont tellement pas connus qu'à eux trois, on dirait l'organigramme de la section Nord-Pas-de-Calais du Modem. Bip, bip ! Ouais ! Bip, bip ! Ouais ! Bien, merci François Hollande pour cette analyse pertinente de la situation au Parti Socialiste. Est-ce que je peux terminer en vous donnant un conseil ? Je t'en prie, la môme. Essayez de régler ce problème de personnalité multiple. Je vous promets que c'est un peu déstabilisant. Lancé en octobre dernier, le déploiement des nouveaux Vélib à Paris a pris un retard considérable. Oh oui. Les usagers sont en colère, tout comme Anne Hidalgo. Toc, 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 toc. Mon Anouchka a tapé du poing sur la table. Ouh, elle est en colère. Niarf, niarf, niarf. Bonjour Bertrand Delanoë. Vous comprenez la colère de celle qui vous a succédé à la mairie de Paris ? Bien sûr, comme tous les Parisiens et les Parisiennes, je me faisais une joie youpi de monter sur les nouveaux vélos vert pistache. Oh, que c'est joli. Ah, oui. Et les nouveaux vélos bleu azur. Ah, que c'est beau. Mais patatras, impossible d'en trouver des disponibles. Pas de vélo pour les bobos qui sont tout tristes. Sniff, sniff, sniff. Oui. Alors, le président de l'association cycliste Paris-Ancel a dénoncé une catastrophe industrielle. Oui. Voilà pourquoi j'avais lancé moi aussi une association d'usagers du Marais en colère, Paris sans sel. Ça fait mal. Non. Si, 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 non, écoutez. Ces nouveaux Vélib. Mais vous n'avez pas l'esprit très ouvert. Non, nous n'avons pas l'esprit très ouvert. Voilà, que les choses soient claires. Ces nouveaux Vélib, non seulement ne sont pas assez nombreux, mais en plus, ils fonctionnent très mal quand même. Impossible de les déverrouiller, clic-clac. L'autre jour, j'ai voulu en prendre un. J'ai mis 5h30 pour aller de la Madeleine à l'Opéra. Ah, bah oui, c'est long, oui. Forcément, j'ai dû rouler avec l'antivol. Ah, oui, c'est dur. C'était dur. Oh, is. Avant, avec les anciens Vélib tout moches, Burke, on crevait. Maintenant, avec les nouveaux Vélib tout beaux, on est crevé. Du coup, Anne Hidalgo envisage des sanctions financières contre le nouveau prestataire des Vélib. Bien fait, nananer. Va falloir cracher au bassinet. Gling, 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 chling, chling, chling. Ça va faire rentrer des sous-sous dans les caisses de la mairie de Paris, qui, grâce à ça, va pouvoir installer tout un tas de bars pour bobos. Des bistrots ?
Mais non, quelle sorte. L'alcool, c'est pas bon pour la santé. Bah, oui. On installera pour nos bobos des bars à eau, des bars à jus de carotte, des bars à quinoa, des bars à tofu, mais aussi des bars à barbe, des bars à basket, des bars à bougies parfumées. Ça sent bon. Bon, bah merci pour cette réaction sur notre antenne, Bertrand Delanoë. Je vous bise, mademoiselle Jade. Smack, smack. Smack, smack. C'est aujourd'hui que sort la première biographie de Brigitte Macron, intitulée « L'affranchie », une publication qui a bien évidemment suscité des réactions à l'Élysée. Bien aimé, je suis le bien aimé. Nanana, Emmanuel, Emmanuel. Ouais, Brigitte, t'as vu mes sondages de janvier ? Ça a encore monté. C'est la moyenne partout. Je suis le roi du monde. Mais pourquoi tu fais cette tête, Brigitte ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Au lieu de perdre ton temps avec tes sondages. Tu ferais mieux de lire Closer. Tu saurais que ma biographie va sortir. Brigitte Macron l'a franchie, ça s'appelle. Pourquoi pas Brigitte Macron l'a timbrée pendant qu'ils y étaient ? Oh, mais sois cool, Brigitte. Prends-le pas mal. T'es connue maintenant. Les gens, ils t'aiment bien. Ils veulent mieux te connaître. Oui, ben justement. Ils vont en apprendre des belles. Écoute ça. Dans l'école religieuse où elle fait sa scolarité, la future première dame est souvent punie et contrainte de laver les carreaux. Mais son père lui passe tout et lui offre un cyclomoteur Piaggio Ciao. Ouais, trop de la balle, Brigitte, le Piaggio Ciao, avec les franges en plastique pour décorer le guidon. C'est hyper vintage, tu l'as gardé, Brigitte? Allez, j'aimerais bien en faire un tour. Je mettrai une patate dans le pot d'échappement pour faire plus de bruit. Ça suffit, Emmanuel. C'est comme ça que tu me défends face à ce livre où ils disent aussi que je t'interdis de manger des Twix et que je t'achète moi-même des costumes à 340 balles. Et allez, je parie encore que Céline Renaud, elle me lâche jamais. Hein. Domicile des Macron, j'écoute. Allô, Brigitte. Céline Renaud, j'ai une surprise pour vous. C'est Maria Pacôme. Je vous la passe. Oh non. Ah non. Bonjour, Maria. Comment ça va? Maman n'est pas content. Maman est colère. Oui, ma chérie. Mais moi, c'est Maria. Je suis très colère. Emmanuel ne veut pas faire interdire ma biographie. Dites, Brigitte, j'ai lu dans votre biographie que vous aviez un Piaggio Ciao. Alors, Maria et moi... Oui. On espère que vous nous emmenez faire un tour. Je n'ai besoin de personne sur mon Piaggio Ciao. Je ne reconnais plus personne sur mon Piaggio Ciao. Quand je sens en chemin l'intrépidation de ma machine, il me monte des désirs dans le creux de mes reins. Oh oui! Oh, quel bonheur d'avoir ressorti. Ah, Maria Pacôme, bienvenue. Et le ciao. Parce que c'est quand même quelque chose. Oh là là. Ah, j'en ai connu, moi, des ciao. Alors, rediffusion à 13h50 dans RTL Midi avec Stéphane Carpentier et Christelle Rebière, et puis sur le site rtl.fr. Allez, vroom vroom, et à demain. Je dis bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.